Ce passionné de tennis s'apprête à vivre 3 semaines extraordinaires. Maxence, 14 ans, va participer à l'un des 4 tournois du Grand Chelem, Roland-Garros, en tant que ramasseur de balles. C'est incroyable, c'est une expérience de fou. Et me dire que je vais ramasser à Roland, c'est incroyable. C'est sûr que j'ai un peu de stress, j'ai pas envie de rater, etc. Mais c'est que du kiff, après il faut profiter. Chaque année, ils sont 280 jeunes entre 11 et 16 ans à officier sur l'ocre parisien, aux côtés des plus grands joueurs, sur les plus grands cours, ce qui donne forcément des envies. Ouais, à fond. Les cours centraux avec tous les spectateurs, c'est incroyable. J'aimerais beaucoup ramasser là-bas. Pendant 3 semaines, le jeune Sartois vivra donc à Paris, en pleine année scolaire. Moi, en tant que parent, il y avait un deal qui était de dire ça tourne bien à l'école, tu as des très bonnes notes et tu pourras partir à Roland-Garros. Donc voilà, donc je ne l'aurais pas inscrit si à l'école, il y avait eu des soucis. Avant sa sélection officielle, Maxence a dû passer plusieurs tests physiques, techniques, avant d'apprendre les règles de ramassage lors d'un stage d'une semaine à Nantes. Il a été choisi parmi plusieurs milliers de candidats au départ, de quoi le combler lui et ses proches. Ils ont été super gentils avec moi, ils m'ont tous félicité et j'ai même l'impression que mes parents étaient plus heureux que moi. Beaucoup de fierté, content pour lui parce que voilà, il a travaillé avant pour être prêt pour le stage et puis je pense que là il s'en va vers une superbe expérience, donc non, super content pour lui. Ah, je suis jaloux. clairement, je suis jaloux, j'aurais bien voulu le faire à son âge. Le plus grand tournoi sur terre battue au monde débutera le 20 mai avec les qualifications et s'achèvera le 9 juin avec peut-être un Sartois sur le court ce jour-là.